Holy Spirit. Conduis nous, Père. Guide us, Lord. Selon la vision céleste. According to your heavenly vision. Garde-nous attachés aux choses célestes. Keep us attached to heavenly things. Là où réellement nous sommes assis en Christ. Where we are truly seated with Christ. Nous te disons merci. We thank you, Lord, for this moment. Nous laissons tout ce temps sous ton contrôle. We leave all this time in your control. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. We bless the Lord for his presence. Comme vous le savez, nous sommes là ce soir plus pour prier. As you know it, we are here to pray. Mais nous voulons écouter d'abord la parole de Dieu. But we would like to listen to the word of God first. Qui va nous montrer comment orienter notre prière. That will show us how to go about with our prayer. Pour ceux qui nous suivent en direct par les voies de médias. For those who are with us online. En audio comme en vidéo. Ceux qui nous suivent dans les moyens vidéo comme les moyens audio. For those who are listening to us on video. Et vous qui êtes là, and you who are here, ceux qui nous suivront en différé, and those qui nous suivront plus tard, afterwards, à tous nous proclamons la bénédiction du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse chacun là où il se trouve. Amen. 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 Je veux nous inviter à prendre dans la Bible notre texte de la fois passée. The text of last time. Colossiens chapitre 3. Colossians chapter 3. Le verset 1. Verse 1. Colossiens 3, nous lisons le premier verset. Colossians 3, verse 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. If you've been raised with Christ, cherchez les choses d'en haut. Set your hearts on the things that are in heaven. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Where Christ sits on his throne at the right side of God. Amen. 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 Paul s'adresse aux Colossiens. Paul addresses the Colossians. N'oubliez pas que notre sujet de base. Let's not forget the others. C'est la vie dans les lieux célestes. Our base title is the life in the heavenly kingdom. C'est-à-dire that means que nous, us, nous voulons comprendre we want to understand que notre vie that our life est au ciel. Is in heaven. Même si physiquement, even if we are physically, nous sommes sur la terre. On earth. C'est ce que la Bible, la parole de Dieu nous dit. It is what the Bible, the word of God tells us. Et si Paul demande aux chrétiens des Colosses, here Paul asks of the Christians of the Colossians. Il leur dit si vous êtes ressuscités avec Christ. He told them if you've been raised to life with Christ. La Bible nous a dit dans Ephésiens. The Bible has told us in Ephesians que Dieu nous a ressuscité ensemble avec God Christ. Has resurrected us together with Christ. Et nous a fait asseoir avec Christ. And has seated us with Christ. Dans les lieux célestes. In the heavenly realm. En Christ. In Christ. Et ici. And here. Il dit. It says, si vous croyez, if you believe, si vous acceptez, if you accept, que vous êtes ressuscité that you've avec been Christ, with Christ, alors so, cherchez les choses d'en haut, look for things of heaven, les choses du ciel, things that are in heaven, là où Christ est assis, where Christ is seated. À la droite de Dieu. At the right side of God.
Examinons d'abord la position de Christ. Let's first examine the position of Christ. Parce que la position de Christ, because the position of Christ, elle est aussi notre position. Is also our position. La Bible dit que nous sommes assis dans le lieu céleste. That we are seated in the heavenly realm. En Christ. In Christ. C'est-à-dire que là où Christ est assis. That means where Christ is seated. C'est là où nous sommes. That is where we are. Même si nous nous voyons sur la terre comme des simples hommes, as simple humans, mais spirituellement, nous sommes assis we are seated, là où Christ est assis. Where Christ is seated. Et Christ, il est assis où? And where is Christ seated? À la droite du Père. At the right side of the Father. Amen. Amen. La droite. C'est la position de force. Is the position of strength. La position de puissance. The position of power. La position de contrôle. The position of control. J'espère que Dieu n'est pas gaucher. I hope God is not left-handed. Donc Dieu n'écrit pas avec so la God gauche. Is not right with his left hand. Et parce que généralement, quand on parle de la droite, when we talk about the right side, on parle de la main qui we agit. Talk about the hand that acts. Et la main de force. The hand of strength. Notre ami Merveille, il est comme Obama, il travaille de la main gauche. Like Obama, he works with his left hand. Et en ce moment, dans l'éveil, tu dois inverser and la position at that time, in his hand, he's reverting the position mais of God. Dieu se présente en termes de ce qui se fait généralement. As in general terms. Il a mis Jésus à sa droite. He has put Jesus on his right side. La position de commandement. The position of commandment. La position power. De force. The position of strength. Jésus, il est assis à droite. Jesus is seated at the right. Et nous sommes assis en Jésus. And we are seated in Jesus. Cela veut dire that means que nous sommes aussi assis à la droite du Père. We are also seated at the right side of the Father. Amen. 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 Étant à la position de force du Père, being at the right side of the Father, étant à la position de commandement du Père, of the power, the position, la première chose que nous devons faire, the first thing we should do, c'est bannir toute peur en nous. Is ban all fear in us. Amen. Amen. Paul dit aux Romains, Paul says to Romans, il dit si Dieu est pour nous, if God is for us, qui sera contre nous? Who would be against us? Amen. Amen. C'est-à-dire that means que ceci n'empêche pas que les gens soient contre nous. That does not get in the way. Ils soient contre nous. Ceci n'empêche pas que les puissances des ténèbres soient contre nous. Mais il pose la question. Qui a le pouvoir d'être who has the power to be against us? C'est-à-dire qui peut, that means who en can, étant contre nous, in being opposed planifier plan, et quelque chose nous arrive. And something could happen to us. Non. No. Il dit qui accusera les élus? He said who will accuse? C'est Dieu qui justifie. It is God who justifies. Ceci nous rassure. So that rest. Et si nous devons chercher we'll les choses look, d'en haut we should look the things in heaven, où Christ est assis where Christ is seated, à la droite de Dieu at the right side of God, les premières choses d'en haut the first thing que nous heaven, devons chercher should be looking for, c'est la position is du the ciel. Position of amen. Amen. Nous devons être sur la terre we should be on recherchant looking la position du ciel. The position of heaven. C'est que that means, sur cette terre on this earth, nous devons marcher en toutes choses we should be walking in all selon things, notre position au ciel. Our position in heaven. Amen. Amen. Selon notre position according au ciel. Our position in heaven. La position de force. The position of strength. La position de contrôle. The position of control. La position de domination. The position of domination. Amen. Amen. Lorsque Dieu a créé l'homme, once God created man, il a dit, he said, faisons l'homme à notre let's image. Let's make man according to our image. C'est-à-dire comme nous. That means like us. Amen. Amen.
Faisons l'homme comme nous. Let's make man like us. Et qu'il domine. And so they would have dominion. Dieu, il domine. God domine. Dieu, il contrôle. God controls. Il est dit dans la Bible. It is said in the Bible. Domine au milieu de tes ennemis. Dominate among your enemies. Amen. Amen. Domine. Dominate. Au milieu de tes ennemis. Among your enemies. C'est un commandement. It's a commandment. Dieu ne te demande pas d'apprécier si tu peux ou pas. If you can or not. Il te donne un ordre. He's giving you an order. Un commandement. A commandment. Il te dit, he's telling you, domine. Dominate. Au milieu de tes ennemis. Among your enemies. Nous connaissons nos ennemis. We know our enemies. Parce qu'ils sont spirituels. Because they are spiritual. Et nous avons à dominer au milieu d'eux. And we have to dominate among them. Le Seigneur dit, the Lord says, si tu trembles, if you are fearful, je te ferai trembler devant eux. I will make you fearful among your enemies. Et comme nous savons, and what we know, la position que nous occupons au ciel, the position that we have in nous heaven, sommes en Christ. We are in Christ. Et Christ est à la droite du Père. Christ is at the right side of the throne. Il est à la position de contrôle. He's at the position of control. À la position d'action. At the position of action. À la position de pouvoir. At the position of power. La première chose du ciel. The first thing of heaven. La chose d'en haut. The things in heaven. Que nous devons chercher. That we should be looking. C'est la position, position du ciel, qu'elle soit réelle, so it can be sur la terre. On earth. Amen. Amen. Nous avons besoin we have de marcher to walk avec la position du ciel. The position of heaven. Ne jamais avoir peur never be fearful des circonstances, of circumstances, des événements, of events, des menaces, of threats, de la lutte du ciel, of the illusion, de comment les choses se présentent devant nous, of how things are appearing before et ce que l'on dit, of what people say. Bien-aimés, aujourd'hui, beloved, today, on parle we are talking des crises mondiales. They're talking about on parle de guerres. They're talking about wars. On parle de menaces. They're talking about threats. Il y a en ce moment une grande menace sur la terre. And right now there's a big threat on earth. C'est la menace de l'islamisme. It is a threat of Islamism. Ils ont les noms selon les milieux. They have names according to regions. Ceux qui sont en train d'opérer du côté asiatique s'appellent those who are operating les Daesh ou les are called the Daesh or the ISIS. Ceux qui sont en Afrique de l'Ouest. Those who are in, ils s'appellent Boko Haram. They're called Boko Haram. Et j'ai vu une vidéo qui explique qu'un autre mouvement a commencé au nord qui a aussi un autre nom. C'est un pays que tout le monde redoute. It is a country that a lot of people ici aux États-Unis here in the United States on n'est pas à l'abri de la menace islamiste. We are not. Donc, il menace aussi les États-Unis. The ISIS is also threatening the United States. Et le monde entier est mobilisé. Il faut lutter contre the whole, ça. The whole world is mobilized. We should fight. Ça fait qu'on vit dans la peur. So it happens that we're leaving. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce soir que vit la position de Jésus au ciel. Position of God in heaven. Et vis la place que tu as dans cette position de Jésus. The place you have in that position. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. You have no need to be fearful. Oh, yeah. Que ça menace à gauche ou à droite. Whether there are threats on the left or on the right. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. You do not need to have fear. Tu dois marcher you have to walk en recherchant dans tes prières in looking your prayers que ta position au ciel that your position in heaven soit réelle sur la terre. With reality on earth. Amen. Amen. Je voudrais dire I wanted to say que quand nous allons prier ce soir that when we're going to pray tonight, je ne sais pas quels sont les défis qui sont sur ton chemin. I don't know what the feats are on your way. The challenges qui sont sur ton chemin, that are on your path.
Mais tu dois, en face de ces challenges, but you have before these challenges, savoir know que ta position au ciel that your position in heaven is superior à tous les défis before all challenges on earth. Et maintenant, quand tu pries, and now when you pray, ce soir, dis à Dieu, tonight say to God, je vais chercher, I want you to look dans ma vie sur la terre, in my life on earth, les choses que j'ai au ciel, the things that I have in heaven, et la première chose que j'ai au ciel, the first thing that I have in c'est heaven, ma position supérieure au ciel. Aux Éphésiens, on l'a dit, to the Ephesians it was told, il nous a fait asseoir, he has seated us dans les lieux célestes, in the heavenly realm, en Christ, in Christ, au-dessus, above, de toute autorité, all authorities, au-dessus, above, de tout pouvoir, all powers, au-dessus, above, de tout nom, all names, même les noms que l'on nommera, even the names that will be named. Je vous ai dit que I told you that there are some people who have names. They need to attack everyone on earth. Vous et moi, but you and I, nous sommes assis, we are seen au-dessus de ce nom, above all those names, avant que le nom soit créé, even before the names were created, moi et vous, you and I, en Christ, in Christ, nous avons été placés, we were seated depuis la résurrection, before, au-dessus de ce nom. From resurrection, we will all be position du ciel, your position in heaven, la chose que vous devez chercher maintenant, is the thing you should be looking for right now. Dit, si vous êtes ressuscité avec, and say, you have been resurrected. Si vous croyez que vous êtes, if you believe you have been resurrected, alors cherchez votre position. So look for your position in heaven. Cherchez votre supériorité. Look for your superiority in heaven. Bien aimé. Beloved, vous êtes en celui qui est au-dessus. You are in the person who vous is above everything. You are superior above everything that has happened. Nobody can be above you. Si vous touche ce que Dieu a autorisé and vous, if they touch a thing that you, alors si il autorise, if God authorizes, celui-là, Dieu a décidé de le détruire. That means God has, if somebody touches your stuff, that means God has authorized to destroy them. Et après même, il a autorisé de t'élever. And he has authorized to lift you high. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. La position, your position, elle concerne toute notre vie sur la terre. Position concerns our lives on earth. Nous agissons, we act, comme nous sommes au ciel, as we are in heaven, dans la position d'autorité, in the position of authority, dans la position de contrôle, in the position of control, dans la position de domination, in the position of domination. C'est ainsi qu'à tout niveau, it is how, at all levels, nous sommes supérieurs. We are superior. Et nous devons aborder les choses, and we should, avec cette supériorité. Look at things with that superiority. Non seulement, not only, nous devons prier Dieu, we should pray to God, attestant notre foi, in attesting our faith, pour lui dire ce que nous voulons, what we want, ce que notre position au ciel, is that our position in heaven, nous caractérise sur la terre, characterizes on earth. Amen. Amen. Et à cause de cette position, and because of our position, nous avons besoin que tout ce que nous avons au ciel, and we need everything that we have in heaven, tout ce que nous sommes au ciel, we need everything that we are in heaven, être notre vie ici. To be our lives here on earth. Je voudrais vous lire deux versets. I'd like to read two verses. Dont nous allons devoir faire la comparaison. In which we're going to make a afin de comprendre comment chercher les choses là-haut. In order to understand how to look for things in heaven. Je veux prendre un texte dans la parole de Dieu. I'd like to take a scripture in the Word of God. Dans Philippiens. In Philippians. Nous allons prendre le verset, le chapitre 3. We're going to take chapter 3, Philippians chapter 3. Et je vais aller
qu'avec la lecture, il faut que je retrouve le texte exact qui nous communique ce que je voudrais que nous recevions. I need to find the exact text that will give us what we need. Allons dans la lettre de Paul aux Philippiens. Let's go to Philippians. Et nous allons lire à partir du verset 7. From verse 5. Philippiens 3, 7, nous partons de là. Philippians chapter 3, verse 7. Paul says, mais ces choses qui étaient pour moi de gain, but all those things that I might count as profit, je les ai regardées comme une perte. I now reckon them as lost. À cause de Christ. For Christ's sake. Nous nous arrêtons là. We stop there. Paul dit, Paul says, ces choses qui étaient pour moi de gain, those things that looked as profit, des profits, des intérêts, as benefits, je les ai regardées, I now look at them, comme une perte, as lost, à cause de Christ. Because of Christ. C'est-à-dire, that means, sur la terre, on earth, les choses qui sont sur la terre, the things that are on earth, Paul les trouve comme une perte. Paul finds them as lost. Ceci pour dire, that means, que ce que nous avons qui est un gain, what we have that is a benefit, ce sont des choses d'en haut. They are things of heaven. Parce que sur la terre, because on earth, nous n'étions rien, we were nothing, nous n'avions rien. We have nothing. Si Jésus est venu, if Jesus came, c'est parce que sur la terre, that means on earth, nous étions morts. We were dead. La Bible nous dit nous étions morts par nos offenses. The Bible says that we were dead because of our sin. Et si Jésus est venu, because Jesus came, c'est parce que nous étions malheureux sur la terre. It was all because we were all miserable. Nous étions dominés par le dominated by the devil. Le péché nous contrôlait. Sins controlled us. Nous n'avions rien qui soit. We had nothing of ourselves. Nous mettions notre gloire. We put our glory. Dans les choses qui nous détruisaient. Into things that destroyed us. Et Paul ayant découvert. And Paul discovered. Le micro. And Paul discovered. La supériorité. The superiority. Des choses d'en haut. Of things in heaven. Je crois que tous nos micros ne donnent pas. C'est là-bas qu'il y a un problème. Il faut continuer avec toujours. Je disais, and I was saying, Paul ayant découvert, Paul discovered, la supériorité, the superiority, de choses du ciel, of things in heaven, sur ce que nous étions sur la terre, based on what we were on earth, il a considéré tout ce qui est de la terre, he considered everything that was of the earth, une perte. As a loss. Le monde ne peut rien vous donner de favorable. The world can never give you anything. Le monde ne peut rien vous donner d'agréable. Nothing can come from the parce earth. Parce que le monde et sa gloire vont à la perdition. Because the world and its glories will go in disappearance. Amen. Amen. Ainsi Paul dit. And so Paul says. Qu'il a regardé. That he has looked. Tout ce qu'il trouvait comme profit, on all things that are il les a regardés comme une perte. He now sees them as lost. C'est-à-dire que s'il continue là-dedans, il se perd. He will never have anything. Et je veux maintenant apporter à ce texte. And I would like to go to this text. Un autre texte. Another text. Qui confirme maintenant exactement ce que nous avons. That confirms what we have right now. Dans Colossiens chapitre 2. In Colossians chapter 2. Et le verset 10. Verse 10. Il dit. He says. Vous avez tout pleinement en lui. You have everything in him. Tout pleinement en lui. You have everything in him. Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Who is the chief of all dominations and authority? Notre problème sur la terre. Our problems on earth. C'est qu'il y avait des dominations. That means
Our problem was that there were il y avait des autorités spirituelles. There were spiritual authorities qui se sont emparées de nos biens. That qui ont pris nos took our blessings. Et Christ est venu. And Christ came pour nous rétablir dans ce que nous avions to reestablish us in what we have lost. Et la Bible nous dit ici and the Bible says here que nous avons tout dans la plénitude. That we have everything. Really? Everything. En lui. In him. Amen. Amen. J'aimerais que tu dises pleinement. Oh, c'est important. Completely. Plainly. Yeah. Everything. In him. Yes. Amen. Amen. Nous avons tout pleinement en lui. We have plainly everything. Ceci pour dire that means qu'il n'y a rien que nous manquons. That there is nothing we do c'est not have. C'est pourquoi j'insiste sur pleinement. That's why I'm insisting in plainly. C'est-à-dire that means nous ne manquons de rien. We are not missing anything. Amen. Amen. Rien de nous manque. Nothing. En we are lui, not lacking anything. Tout est rempli. In him, plainly, c'est everything cela, is in there. Que nous avons à chercher les choses d'en haut. That is why we should look for things ça signifie that means les choses que nous avons au ciel. The things that we have in heaven. Et je vous ai dit que l'une de ces choses and I said that one of those things c'est la position. Is the position. C'est la position qui fait que nous ayons tout autre chose. That makes it that we have everything else. Tout est attaché à notre position. Everything is attached to our position. Notre position en lui. Our position in him. Attire toutes choses vers lui. Attracts everything to him. Il y a des enseignements occultes. There are some teachings in qui sont en train de se faire ces derniers temps. That are about to disappear. On parle de la loi d'attraction. Oh, they're talking about the law of attraction. Et maintenant même, des églises enseignent ça. And now churches even teach this now. Et les mystiques, les occultes qui enseignent la loi d'attraction. And those cults that teach the law of attraction. Ils enseignent aux hommes. They teach to men. Comment conformer leur manière de penser. How to conform their way of thinking. Pour attirer les choses. To attract things. Attirer les richesses. To attract riches. Attirer l'argent. To attract money. Attirer les femmes. To attract women. Attirer les hommes. To attract people. Mais cet enseignement est une mauvaise copie. Is a bad copy. De ce que nous sommes. Of who we are. Nous n'avons pas la loi d'attraction. We do not have the law of attraction. Nous avons l'homme qui attire. We have the man who attracts. Jésus notre Seigneur. Jesus, amen. Il attire tout à lui. Everything in him. Non, nous n'avons pas besoin d'un développement de pensée. Nous avons plutôt besoin d'ajuster notre façon de croire avec sa façon de croire. Way of thinking. Et la Bible appelle cela and the Bible is called this, le renouvellement de l'intelligence. Amen. Amen. Nous avons besoin we need de changer notre mental to change our afin de voir comme il voit. In order to see how c'est un homme qui lui va attirer les choses. Nous n'avons pas besoin d'attirer. We do not need to attract ourselves. Cet enseignement, il est that teaching, démoniaque. It is demonic. Parce qu'il pousse les gens it à adapter leurs pensées avec les pensées des esprits impurs. To attract their thinking, to put their thinking. Mais nous savons que nous avons tout en us. We have everything in him. Et lui, il amène toutes choses à lui. And he brings everything to et si us. Nous sommes en lui, and if we are in les him, choses viennent à nous. Everything comes to us. Parce que lui, il attire tout à lui. The attraction. He brings everything to him. Dans le livre de Jean, le chapitre 12, in the book of John, chapter 12, le Seigneur Jésus a dit, Jesus says, si
Si vous élevez le Fils de l'homme, if you lift the Son of Man, il attirera tous les hommes. You will attract all men to him. Voyez, et c'est ce que Paul a fait. And this is what Paul dit, ces choses qui étaient importantes pour moi. Paul says everything that was important. Je les ai regardées comme une perte. I looked at them as afin de gagner Christ. In order to gain Christ. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Do you see, beloved? Celui you que vous devez gagner, the one who you should be gaining. Lorsque is vous him. L'avez, once you have him, vous avez la communion. You have him, when you have the communion. Et ce texte-là, and that text, si je, on va rentrer là-bas, si je le poursuis, dans sa suite, vous allez voir une chose. You will see something. Nous entrons dans Philippiens chapitre 3, verset 7. Go to Philippians chapter 3, verse 7. Je reprends cette lecture. I repeat this lecture. Mais ces choses qui étaient pour moi de gain, but all those things that my count je les ai regardées comme une perte. I now reckon them lost for Christ's sake. À cause de Christ. For Christ's sake. Et la suite. And et même first. Je regarde toutes les choses comme une perte. Not only those things, I reckon everything. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. As complete loss for this Jacob, what is so much valuable to me, my pour lequel j'ai renoncé à tout, for the one who have knowledge, et je le regarde comme de la boue, and I see him as rubbish, as my rabbi, afin de gagner Christ, in order to gain Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. And I have the righteousness that is given through faith in Christ, the righteousness that comes from God and is based on faith. Amen. Amen. Il dit ceci. He says, j'ai regardé toutes ces choses I looked at all comme de la boue afin de gagner quoi? As God gagner Christ. In order to gain Christ. Amen. Amen. Gagner Christ. To gain Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. C'est en lui Christ. It is in him, Christ, that there is everything. La vraie attraction. The true attraction. C'est Christ en vous. Is Christ in you. L'espérance de la vie. The freedom. The hope of life. And the hope of life. Christ en vous. The Christ in you. L'espérance de la gloire. Hope of glory. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Lord, je voudrais que chacun de nous comprenne. Like dans la prière que nous allons faire ce soir, tonight, nous avons besoin de gagner Christ. We need to gain Christ. En Christ, comme nous l'avons vu dans Colossiens, in Christ, like we saw in Colossians, nous avons tout pleinement. We have completely everything. Pour gagner Christ, you gain Christ. Vous gagnez tout le reste. You gain everything else. Et c'est pour cela. And that is why. Que étant en Christ nous-mêmes. Being in Christ ourselves. Christ étant à la droite du Père. Christ being at the right side of the Father. Nous sommes avec lui à la droite. We are with him at the right side of the Father. Nous devons chercher. We should look. À ce que sur la terre. That on earth. Notre position à la droite du Père. Our position. À la the droite right side du Père. Of the Father. Puisse devenir visible. Be visible. Dans notre travail. In our jobs. Dans notre santé. In our health. Dans nos maisons. In our houses. Dans nos quartiers. In our neighborhoods. Dans nos cités. In our cities. Il faut que la différence. We need. Et la distinction. We need to see the difference. Soit de notre côté. In our family. Parce que nous sommes en la position because de we are in the position of Christ. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Cherchez les choses qui sont dans les cieux. Look for things that are in heaven. C'est cesser d'être, comment je peux dire, that means d'être ébloui, d'être impressionné par les choses qui sont sur la terre. Seeking to be impressed with the things on earth. C'est marcher. It, that means it walks. Sans être tourmenté. Without being troubled. Par les choses qui sont sur la terre. By the things on earth. Vous savez, il y a
nos pensées nous-mêmes. You know, our own thoughts. Pour nous permettre de mieux le comprendre. To better understand. Nos pensées. Our thoughts. Fonctionnent en rapport avec nos moyens. Operate according to our means. Il peut arriver que vous n'avez pas d'argent. It could happen that you do not have money. Pour faire une chose importante que vous devez faire. In order to do something important that you have to do. Et plus le jour avance vers la date finale. And the dates are getting closer to the due date. Plus vous êtes découragé. And the more you are discouraged, and the more you feel lost. Et quand vous pensez à votre situation de sans argent. And when you think about your situation of not having money. Vous devenez découragé. You become even more discouraged. Vous perdez même la force de prier. You even lose the strength to alors, pray. Ce que je veux dire ce soir. So what I want to say is. En face de ce problème. Before that problem. En face de la peur que cela vous donne. Before the fear that brings you. Que dans deux ou trois jours. That in 2 or 3 days. On vient vous arracher, je ne sais pas, votre véhicule. I don't know, they come get your car. On vient fermer la maison. They come and close the house. On vient fermer le business. And they come and close the business. Vous êtes tourmenté, vous êtes troublé. You are troubled, you're so troubled. La réalité est que the reality is, réellement, vous n'avez pas l'argent. Really, in reality, et vous savez ce qui arrive à celui qui n'a pas l'argent. And you know what happens to those who et quand vous réfléchissez au lendemain. And what you think about tomorrow. Vous fonctionnez en termes de votre pauvreté. You are functioning in terms of your poverty. Vous réfléchissez en termes de votre pétresse. You are thinking in function of your vos loss. Vos pensées sont des pensées de peur. Your thoughts are thoughts of fear. Et vous voyez déjà ce qui va vous arriver. And you already see what is happening. Maintenant. But now. Le contraire se croit. The contrary. Ce que en face de ces défis réels. That before those true reality challenges. Vous regardez à Christ. You look at Christ. Vous voyez la force de Christ. You see the strength of Christ. Vous voyez la richesse de Christ. You see the richness of Christ. Vous voyez la suffisance de Christ. You see the sufficiency et of vous Christ. Dites, and you tell yourself, je sais I know que je n'ai pas d'argent. That I don't have je sais I know que normalement that normally on va fermer la porte. They would close je sais the door. I que know me considérant me voyez à moi. That my means. Je n'arriverai pas. I cannot do it. Mais je sais aussi. But I also know. Toi, that you. Tu es au-dessus de mes moyens. You are above the means. Tu es au-dessus de celui qui doit fermer la porte. You are above the person who closes the door. Tu es au-dessus de l'argent. You are before, above. Pendant ce temps. And in those moi, times. Je te fais confiance. I trust in you. Je veux marcher avec toi. I want to walk with you. Je veux compter sur toi. I want to count on you. Et vous ne comprenez pas. And you do not understand. À la dernière minute. At the last moment. Une situation arrive. A situation arrive. Soit celui qui devait venir vous menacer. Either the person who il a un empêchement majeur. You would not come. Ou Dieu permet une solution. Or God permits a solution to happen. D'une manière indépendante de vos moyens. Elle vous sort de là. And it gets you out alors, of that situation. Qu'est-ce que je veux communiquer? So what am I trying to say? C'est que chercher les choses qui sont dans les cieux. I'm saying, looking for the things in heaven. C'est arrêter de regarder aux menaces qui it's sont sur la terre. Looking amen. At the threats that are on earth. Amen. Cherchez les choses qui sont en haut, looking for things qui sont dans le ciel. Seeking for the things that are in heaven. Cessez de regarder aux choses qui sont sur la terre. Stop looking for the things on earth. Amen. Amen. Vous décidez you decide de ne plus regarder to never look aux choses qui sont sur la terre. At things that are on earth. Vous comprenez cela? You understand nous allons l'examiner avec la parole de Dieu. We will examine with the word of God. C'est-à-dire that means que la menace qui est sur la terre, the menaces and the threats that are on earth, vous la regardez you look at them au travers de la solution, above the solution, dans la solution qui est en Dieu. In the solution that is in Christ. Voyez là, je porte des lunettes. Do you see, I'm wearing glasses. Je ne peux pas bien lire sans lire. I cannot
a read well without. Même si je les enlève, I cannot read well. Je ne vous vois pas très bien non plus. When I do not, when I take them off, I can't see. C'est-à-dire que ma vision sans lunettes. That means my vision without glasses. Est une fausse vision. Is a false vision. Amen. Amen. Et je ne peux pas être sûr que j'ai bien vu. And I cannot be sure that si I je n'ai pas vu ça. If I do not put my glasses. Ceci corrige ma vision. These glasses correct my vision. Quelqu'un comprend ça? Do you understand? Ça corrige ce que je peux lire. It corrects what I can see. Ça corrige ce que je peux voir en vous regardant. It corrects what I can see. Amen. Amen. Nous avons besoin. And we need. Que Dieu that God nous donne des lunettes spirituelles. He gives us spiritual glasses. Qui corrige notre vision des choses. Amen. 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 C'est-à-dire que ce que tu vois what you see n'est pas réellement ce que Dieu voit. What Amen. God sees. Amen. Amen. Dieu veut que tu vois comme il voit. To see what he sees. Le frère de lui priait tout à l'heure dans le Jérémie. Il a cité le texte de Jérémie. That he cited the text of Jeremiah. Dieu lui dit, que vois-tu? God says, what do you see? Il dit, je vois une branche d'amandier. And Jeremiah, the person says, I see a branch. Branch of almond branch. Et Dieu lui dit, and God tu tells as bien vu. You are seeing correctly. Voyez, and tu you as see, bien vu. You are seeing il arrive qu'on ne voit pas bien. That means that people do not see. Parce que ce que nous appelons danger n'est pas danger. Because what we see as danger is not danger. Et chercher les choses d'en haut. And seeking things in heaven. C'est commencer sur la terre. That means starting on earth. À voir comme le ciel having voit. Having the vision of heaven. Et on a besoin de correction de vue. And we need the correction of vision. Dieu doit nous donner God des lunettes de correction spirituelle. The glasses that are spiritual. Pour que nous cessions d'appeler danger ce qui n'est pas danger. So we can stop calling danger things that are not danger. Yes. Je vais prendre ce texte qui est dans 2 Corinthiens. I'd like us to take the text in 2 Corinthians. Le chapitre 4. Chapter 2. The chapter 4. Nous lisons à partir du verset 17. We read from verse 17. Vous connaissez ce texte, on a souvent parlé sur ça. 2 Corinthians 4. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthians 4. Nous lisons le verset 17 et 18. Verse 17 and 18. Il dit ceci. He says, car nos légères afflictions du moment présent and this small temporary trouble produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. We suffer, we bring us a tremendous and eternal glory. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles. For we fix our attention not on things that are seen, but things that are unseen. Ah, cette version-là, elle traduit encore très bien. And that version is really je voudrais reprendre ce texte-là. I'd like to repeat it. Nous regardons. And we look. Je le reprends pour que tu le lises là. Et que tout le monde sur ce texte. I'm repeating so I can read here. Nous regardons. We non point aux choses visibles. Not only things, mais à celles qui sont invisibles. But things that are not seen. J'ai entendu dans sa lecture, il y a l'action de nous mettons notre attention. Hein, c'est ça. For we fix our attention. Quand tu as traduit maintenant ce que je dis, je veux que tu lises ce qui est dans ta vie. Yes. Reprends ça maintenant dans ta lecture. Le verset 18. Verse 18. For we fix our attention not on things that are seen, but on things that are unseen. We fix our attention not on things that are seen, but the things that are unseen. Yes. Voyez ça. Nous fixons notre attention. We fix our attention. Non, dans les choses qui se voient.
sommes affligés. Nous avons une menace, comme j'ai dit là, on doit s'arrêter, on doit faire ceci. Non, nous ne regardons pas ça. Nous ne regardons pas au dépôt qui n'a plus à manger. Nous ne regardons plus à ces choses. Nous regardons aux choses qu'on ne voit pas. Et les choses qu'on ne voit pas, ce sont les choses qui sont en haut, qui sont en Christ, à la droite du Père. Amen. Ce sont ces choses-là que ce soir nous allons demander. C'est-à-dire, là où je ne sais pas, sur le plan santé, par exemple, where maybe, physically, le corps fait sentir des signaux. Well, when the body is giving signals, ça s'appelle des choses qui sont visibles. That means, the copies are invisible. À la place, tu regardes aux choses non visibles. But then, you look at things that are invisible. Et là, and then, c'est la santé, c'est la guérison. There is c'est health. Ça que tu vas regarder. And healing, that's what tu you should be looking fixer at. Fixer ton attention. You should fix your attention. Fixer ton attention. Fix your attention. Non pas au corps qui a fait sa not vie de on peur. The body that's giving pain. Non pas au wallet qui est vide et qui n'a pas d'argent. Tu ne regardes plus au wallet. You do not look at the tu wallet. Regardes you aux choses anciennes, aux choses non visibles, non voyables. La richesse de Christ, the riches, the le pouvoir de Christ, the power, la santé en Christ, the health in Christ, la victoire en Christ. The victory in Christ. Nous regardons à ces choses. Il dit ceci. It is said, pourquoi nous faisons ça? Why do we do parce que les choses signes, les choses visibles, because the things are seen, the visible things, elles sont passagères. They are temporary. Et les choses anciennes, les choses non visibles sont éternelles. They are eternal. C'est-à-dire that means que si aujourd'hui if today, une situation t'arrive, a situation occurs, elle ne sera que pour aujourd'hui. And it will only be mais for ce que today. Dieu va faire about what God will sera do, pour toujours. It will be forever. C'est ce qu'il veut dire. That's what it means. L'attaque qui vient, the attack that comes, la difficulté qui the vient, difficulty that elle occurs, pour une période. It is only for a et certain Dieu period. Va l'effacer. And God will erase et ce que Dieu va te donner and what God will est give pour you tous. Is eternal. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, notre prière soir sera sur les choses éternelles. Les choses d'en haut sont des choses éternelles. Si nous sommes ressuscités avec lui, cherchons maintenant les choses que nous avons au ciel. Parce que ces choses sont éternelles. La Bible dit, the Bible says, le ciel et la terre passeront. The earth and heaven will pass. Mais la parole de Dieu, about the word of God, elle est éternelle. It is elle ne passera it pas. Will never pass. Vous comprenez? Do you understand? Est-ce que la parole de Dieu dit, the word of God c'est says, ça votre vraie richesse. And that is your c'est true ça votre vraie force. That is true. That is your alors regardez toujours. So always look à ce que Dieu dit. To what God says. Même si vous sentez que c'est fini. Even if you feel like it is over. Un jour, j'étais malade. One day I was sick. Proche de la mort. Near death. J'entendais même qu'il fallait que j'instruise ma femme parce que j'allais mourir. I was waiting to even tell my wife that I was dying. Et même dans cet état-là, even in that state, Dieu God m'a montré que je ne mourrais pas. Showed me that I wasn't dying. Et dès l'instant où Dieu dit que tu ne mourras pas, well, when God says you parce die, que c'est ce que sa parole dit, that's what his words même si la douleur là, even that pain, commence même à arrêter mon cœur, even if that pain started je pourrais your heart, aller en coma, even if, mais dans le coma, je dirais, I je ne mourrai pas, but even in my je coma, vivrai, I will not die, je raconterai les œuvres de Dieu. Je n'ai pas besoin de changer de vie. I do not need to change. Je me dis, oui, tu as dit, voilà. And je sens que le pied, je ne le sens plus. I feel the feet, I can't see.
La même couche bleue. Oh non, c'est que je vais mourir. Non. Je reste croyant à la parole de Dieu. Même si le médecin me déconnecte, mon esprit continuera à dire. Mon esprit va continuer à dire, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les choses de l'éternel. C'est ça la foi. La foi ne regarde pas aux choses. Elle regarde à ce que Dieu a dit. Elle refuse de regarder aux choses. Je vais terminer avant que nous prions. And I would like to finish before ma vie, une dernière chose. And the last thing I want to say. Lorsque Moïse était avec les enfants d'Israël au désert, when Moses was with the children of Israel in the desert, à cause de la désobéissance d'Israël, because of the disobedience of Israel, Dieu a permis que le serpent brûlant ont commencé à mordre les Israélites. They started biting the Israelites. The serpents started biting the Israelites. And they started biting them. And they started dying. Moïse a pleuré auprès de Dieu. And Moses called before Dieu a dit à Moïse, and God said to Moses, tu vas fabriquer un serpent de là. You will make a snake. A snake. A cane? Grass. Is it? Serpent de là. De toute façon, nous avons compris, Moïse devait fabriquer un serpent. Amen. Mais mon anglais, le mot là, but I do not remember what that means. Alors, il a fabriqué un serpent. And he made. Ce n'était pas un vrai serpent. It was not a real serpent. Mais c'était un serpent différent de celui qui mordait. It was a snake that was different. Et Dieu dit à Moïse. But then God said to Moses, quand les serpents, when the serpent mordront les enfants d'Israël, bite the children of Israel, ils n'ont qu'une seule chose à faire, they only have one thing to do. Regardez au serpent. Look at the serpent. Amen. Amen. Et celui qui regardera and the one who au serpent de là at the serpent ne mourra pas de mort. Will not die from the biting. Alors qu'est-ce qu'Israël devait faire? So what would Israel do? La tendance normale. The de surveiller les serpents. The normal way of doing is to look at the serpent. Il passe par où? Where it is. Commencez à le fuir. And start. Mais Dieu conseille un comportement presque anormal. But God is giving an advice. Ignorez les serpents. Ignore the serpent. Regardez au serpent. Look at the serpent of Moses. Quand le serpent vient, so when the serpent, vous regardez seulement au serpent. You are only looking at the serpent. Vous ne cherchez plus. You are not looking à voir sur la terre, au sol, il vient de quel côté. But where is it looking? Mais toujours regardant le serpent de Moïse. Le serpent de Moïse. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus dit, lorsqu'on lui demande un miracle, il dit, il ne sera pas donné un autre miracle. On demande à Jésus and they ask him Jesus de faire un miracle, to do miracle pour prouver qu'il était le Fils de Dieu. That he was the Son of God. Jesus told on ne va pas vous donner un autre miracle. We will not give you another miracle. Le miracle de Moïse. We will give you the miracle of Moses. Comme Moïse éleva le serpent de l'air, Moses elevated le Fils de l'homme de même se lève avant qu'un petit peu. Regarde qui le fils. So il est la vie. Bien aimé dans le Seigneur. Nous devons apprendre à marcher les yeux ouverts au ciel. Sans contrôler sur la terre ce qui se passe. Les oreilles tendues au ciel. Les yeux au ciel. Et alors, nous allons vivre. And again, we need the things of heaven sur la terre. On earth. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord God bless you. Je vais inviter le pasteur Jean. And I can write the pastor Jean. On va nous conduire dans la prière. Nous allons prier comme nous l'avons dit. We will pray like we said we would. Et nous terminerons la prière avec le pasteur Jean. And we will end the prayer with Pastor Jean.